Bonjour chers abonnés, j'espère que vous avez été très nombreux à suivre mes vidéos précédentes sur la page d'Opel Munich. Aujourd'hui, on va travailler sur le muscle abdominal, communément appelé les abdos dans votre langage. Voilà, sans plus tarder, on va passer à l'échauffement. Bien sûr, avant chaque séance de votre entraînement, vous devez toujours passer par un échauffement. Je vais vous proposer un échauffement très simple et très dynamique qui va vous permettre de pouvoir bien chauffer le corps. Cet échauffement s'appelle le jumping jack. Au départ, on place les mains à côté des cuisses, les jambes jointes. Ensuite, on va devoir sauter en écartant les jambes et les bras au-dessus de la tête. Et on revient. Ce qui donne ceci. Alors, vous pouvez en faire 30, 50 et en faire 3 séries. Une fois que le corps est bien chaud, vous récupérez et vous vous lancez sur votre exercice. Voilà, chers auditeurs, sans plus tarder, on va passer à notre entraînement proprement dit. On va démarrer avec un tout premier exercice. Vous aurez besoin d'avoir un tapis, bien sûr un ballon. Et si vous n'en avez pas, je vais vous montrer une variante. Voilà. Je déroule mon tapis. Je vais devoir m'allonger sur le tapis. Voilà. Ok, nous allons démarrer par le premier exercice communément appelé relevé poitrine. C'est un exercice qui consiste à relever sa poitrine en tendant les bras vers l'arrière, comme moi. Ensuite, on va creuser dans le ventre en retenant sa respiration et relever le dos du sol. Voilà, c'est le mouvement de départ et le mouvement de finish. Ensuite, on retourne sur le sol. Vous avez compris? C'est parti. 1, 2. Pensez toujours à bien inspirer et expirer en exécutant vos mouvements. Donc, on inspire, on expire. Les choses à éviter, c'est de relever la poitrine en mettant le menton collé contre la poitrine. Vous devez éviter aussi de trop ramener les jambes vers l'arrière ou d'avoir trop les jambes vers l'avant parce que ça vous empêchera de monter correctement. Voilà. Si vous n'y arrivez pas et que si par exemple vous avez un excès de poids et que vous n'arrivez pas à relever votre poitrine ou votre dos du sol, vous pouvez modifier l'exercice en relevant les orteils du sol et exécuter le mouvement. Une. Deux. Le corps doit rester beaucoup plus statique pendant l'exécution. Évitez de bouger vos hanches, vos jambes. Et voilà.